Bonjour les violonistes, bonjour les mildoristes, bienvenue à ce nouvel épisode de Secrets de violoniste, votre émission web pour tout ce qui touche au violon, qui vous est présentée par Mildor Violon. Qu'est-ce que c'est que Mildor Violon? Mildor Violon, en fait, c'est une école de violon sur Internet, donc on vous enseigne sur notre site, grâce à nos tutoriels vidéo, grâce à nos parties interactives et aussi nos cours par visioconférence où on se rencontre en un à un, donc ce sont des cours privés par visioconférence. On a aussi des ateliers, on a aussi des webinaires, comme vous voyez en ce moment, on a un blog, on a une boutique en ligne, bref, on a beaucoup, beaucoup de choses pour faire en sorte que ce soit la place pour apprendre le violon. En tout cas, j'y mets beaucoup de mon temps. Bref, je vous invite à aller regarder ça. C'est sur mildorviolon.com. Donc, bienvenue à Secrets de violoniste, qui est notre émission web. Je m'appelle Jean-François McDonald et tous les dimanches, je fais donc un live sur le violon, un live gratuit avec divers sujets. Cette semaine, je suis très content parce que j'ai un invité. J'étais comme j'ai un invité aujourd'hui, donc vous l'avez vu probablement dans la description du live en ce moment, on va avoir la chance d'accueillir Richard Morancy. Quelques petites annonces avant de pouvoir accueillir Richard, qui est un luthier de archet.ca, l'archeterie Morancy. Et je suis aussi excité aujourd'hui parce que vous le savez, depuis, ça fait 2 ou 3 mois, je pense que c'est actif sur notre site, on avait un concours, gagner un archet professionnel, et pour ceux et celles qui feraient comme « comment ça un concours? » Vous pouvez encore vous inscrire comme en ce moment. Là. si vous voulez, vous allez sur mildorviolon.com, dans la section « Événements », et ensuite, vous cliquez sur le concours, justement, remplissez ça le plus vite possible, parce que tantôt, live, pendant que je vais être avec Richard, on va faire tirer l'archet qui vous est offert, donc, par Mildor Violon et l'archeterie Morancy conjointement. Autrement dit, on se split la facture en deux. Mais pour ceux et celles qui seraient dans le coin de Québec ou Montréal, les deux endroits où l'archeterie Morancy ont une boutique, ben, vous pourrez aller chercher vous-même l'archet, choisir parmi donc les archets que Richard a. Vous allez voir, Richard, c'est un véritable pro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet vraiment intéressant qui est la colophane. Fait qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la colophane, l'arcanson, où j'ai entendu la résine. J'ai entendu bien des choses dans ma vie. Mais justement, ça qu'on vient appliquer sur l'archet. Okay? Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Et ça donne bien parce que moi, je suis, comment dire, une personne qui déteste la colophane. J'aime pas ça. Je trouve ça gommant. Puis j'essaie d'en mettre le moins possible parce que personnellement, je trouve que j'ai toujours trouvé que ça colle trop. Mais justement, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir parler à Richard tantôt parce que là, je me dis, OK, là, tu vas avoir un spécialiste. Là, peut-être qu'il va te faire aimer un peu plus la colophane. Fait que bref, on va regarder ça ensemble. Bonjour à tout le monde qui est là. J'ai quelques nouvelles avant qu'on passe aux choses sérieuses. Donc, je commence en vous disant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre groupe Facebook Violoniste Débutant. Donc, c'est facilement accessible via violonistedébutant.com. Super beau groupe, super belle communauté. On a 5500 membres en ce moment, mais on a de la place pour s'exprimer. Vous pouvez dire que vous publiez photos, vidéos, vous pouvez participer à nos jeudis défis, vous pouvez participer. J'en ai pas vu beaucoup, là, mais des vendredis fous, il me semble que ça serait le fun d'en voir quelques-uns de temps en temps. Je sais que Nancy est très bonne de ce côté-là. Pascal, me semble que vendredi fou, ça serait pas mal ton genre aussi. Bref, voilà pour ça. Donc là, allez sur violonistedébutant.com. C'est un groupe Facebook. Vous vous inscrivez, vous allez voir la belle communauté, le beau sentiment de communauté qu'on a là. Ah, voilà une autre inscription au concours qui vient de rentrer. T'as bien fait. Bravo. Inscrivez-vous, c'est le temps. Deuxième annonce. Prochain atelier Mildor Violon, c'est le 9 juillet 2022. Ben oui, c'est dans longtemps. Mais on va apprendre ensemble une super belle chanson. Honnêtement, c'est super joli. C'est une de mes
préférées de La Mélodie du Bonheur, justement, La Chanson des Collines. Très, très belle pièce. Et donc, on va avoir le plaisir de découvrir cette pièce-là ensemble. Je vais vous l'enseigner en vous donnant tous les trucs, comment bien la réussir. Croyez-moi, vous allez faire plaisir à plusieurs personnes si vous apprenez cette pièce-là. On continue donc. Ben, aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est le concours Gagner un archet professionnel. C'est encore le temps. Allez sur notre site web, section événements, inscrivez-vous. Comme la personne que je ne nommerai pas pour la vie privée, mais qui vient juste de faire. Donc voilà, c'est le temps de vous inscrire sur le site de Mille d'or violon, section événements. Je vous annonce aussi qu'à partir du mois d'octobre, la date précise, je ne l'ai pas là, à partir du mois d'octobre, c'est le lancement du cours violoniste intermédiaire 1 chez Mille d'or violon. Donc, ça fait 5 ans là, qu'on enseigne et on enseigne principalement aux violonistes débutants, donc à environ les deux premières années de violon sur notre site web Mille d'or violon. Beaucoup de gens nous ont demandé quand est-ce que vous faites une suite, etc. C'est très long à faire si on veut bien le faire, puis si on veut s'assurer que vous ayez tous les outils en main pour pouvoir avancer, puis tu sais, vraiment cibler exactement quoi faire pour que vous soyez au maximum autonome, mais aussi qu'on puisse avoir un bon suivi entre les professeurs, des éléments techniques clairs, des pièces qui sont intéressantes, etc. Donc, beaucoup de travail à faire. Les partitions interactives pour faire la chose, les scénarios, les tournages, les montages, mais tout ça, ça va être disponible à partir de octobre. Et donc, je suis vraiment, vraiment content. Je vous le dis, ça s'en vient, ça va être gros, OK? Je suis particulièrement fier du travail qu'on fait présentement, moi et mon équipe. Et donc, voilà, je vous dis, marquez ça dans votre agenda, octobre, avec un gros X, parce que c'est là que ça se passe. Voilà pour ça. Dernière annonce, et là, c'est une grosse annonce, mesdames et messieurs, fait que c'est... vous allez voir, le panneau est différent de la semaine passée, mais c'est parce que ça s'est précisé depuis le temps. On fait un super événement avec le titre le plus fou de la Terre, Corde en folie. OK, je laisse ton commentaire éditorial pour toi, Jeff. Mais l'événement Corde en folie, mais ça va être vraiment un bel événement, OK? C'est le 18 juin, à partir de 8h30 du matin, vous en avez pour toute la journée. C'est au parc du Domaine Vert à Mirabel. Et là, on va avoir des ateliers pour violon et violoncelle. Vous allez pouvoir aussi, pour ceux, exemple, qui savent déjà jouer du violon, vous êtes invités à jouer avec un orchestre, avec des professionnels qui seront là aussi, et des débutants intermédiaires. Donc, c'est un beau mélange. Et c'est j'aime ça. C'est organisé par la fondation MHPO. Donc, une nouvelle fondation qui est mise sur pied, entre autres, par le luthier que vous connaissez bien, Olivier Perrault. Et puis, à ce moment-là, la fondation MHPO, elle s'occupe de justement faire des beaux événements comme ça, mettre de l'avant les professeurs, la musique et justement créer un bel environnement où justement on fait en sorte que la musique elle puisse se développer, elle puisse, comment je pourrais dire ça, on puisse avoir une tribune, on puisse découvrir au niveau de la musique. Donc c'est un bel événement. Juste pour vous dire, pendant cet événement-là, le 18 juin, on va avoir, attention, atelier de musique québécoise et celtique. Initiation au violon avec Bibi. Okay? Initiation au violoncelle avec Catherine Mathieu de chez Pratico Cello. On va avoir atelier d'orchestre. On va avoir violon électrique. Introduction au pop avec le violon. Baroque. Quand je parlais de violon électrique, mais tout sur les pédales aussi, etc. Donc, ça, c'est simplement, écoutez, là, je fais juste vous dire les ateliers qui ont été confirmés, qui sont en stade préliminaire. Il y en aura d'autres, mais bref, un bel événement. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, OK? Donc, pour tous les Québécois ou les gens qui sont en visite ici au Québec, vous pouvez vous inscrire. C'est simple, je vous remets ici, là. On a mhpio.ca. OK? Donc, vous le voyez en bas, mhpiot.ca. Et c'est déjà actif, vous pouvez déjà vous inscrire pour l'événement. Vous remplissez le formulaire, vous faites le paiement sur le site. C'est vraiment pas cher, je pense que, écoute, c'est les ateliers à 20$, mais vous en avez pour votre argent. Puis cette journée-là, ça va être en plein air, on va avoir du plaisir. Fait que, honnêtement, là, j'ai le goût que
tu sais, comme, est-ce qu'on fait un spécial tout le monde? Okay? Vous nous écoutez en ce moment, vous êtes en arrière de votre écran, vous dites, qu'est-ce que je ferais bien, moi, le 18 juin? Ben, c'est ça qu'on fait. Okay? Allez vous rendre sur le site web, inscrivez-vous. Je veux vous voir, je veux vous rencontrer, je veux qu'on ait du plaisir ensemble cette journée-là, puis je veux que les Mildoristes, on débarque là-bas, puis qu'on on prend le contrôle de la place. C'est pas compliqué, je veux qu'on ait du fun ensemble. Okay? Fait que bref, vous êtes invités le 18 juin. OK, alors, je pense que ça fait le tour. Je tiens à dire bonjour, comme je le fais toujours aux gens ici. Bonjour à Delphine, bonjour à Feuilleté Saucisse, qui est encore un mystère. Elisabeth, Pascal, Danily, salut Dani, ça fait un bout. Mathéo, Mélanie, Yao, hey Yao, dis-moi si je me trompe, OK, tu m'écriras, mais est-ce que je comprends que tu es né un jeudi? Parce que j'ai entendu dire que le nom Yao, c'était justement relié au jour de la naissance. Et Yao voudrait dire jeudi. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu cette semaine. Je trouvais ça très intéressant. Bonjour à Elisabeth, Lauriane, Mario, Anne. Bonjour à Nancy, Lise, Eric, Nadia, Pascal Gass. Salut Pascal, Isabelle, Sandrine. Ah oh oui, Sandrine, salut! Sandrine qui est l'archetière qui travaille avec Richard Morancy, que vous allez voir rencontrer tantôt, Richard. Donc bonjour Sandrine, très content que tu sois là. Isabelle, Nadia, Facebook user, bonjour Facebook, Franck, ok. Jean-Lise, et puis là je vois les noms qui se répètent. Dominique, Laura, Valérie, voilà. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux et celles aussi que je vois, parce que vous êtes quand même une bonne gang aujourd'hui. Je vois que vous êtes là en ce moment, mais vous n'avez pas écrit. Mais bonjour à Mélanie qui vient d'écrire, d'ailleurs. Bonjour à Cathy qui vient d'écrire. Bref, très content que vous soyez là aujourd'hui. OK. Je veux juste m'assurer que j'ai tout dit avant de dire bonjour à notre invité. Vous êtes présentement sur YouTube, Facebook, Twitch, ou sur mildorvillon.com en direct. Si vous voulez nous écrire aujourd'hui, parce que Richard va être là pour pouvoir répondre à nos questions. Si vous voulez nous écrire, vous écrivez votre prénom en majuscule, suivi de votre question, commentaire ou insulte. Puis, je vais filtrer le tout. après ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. J'en ai parlé. Oui, OK, ben écoute, j'ai fait le tour. Voilà, on serait prêt dans le fond à accueillir notre invité. Donc, Richard, écoute, si tu veux commencer à te connecter, tu es le bienvenu. On attend après Richard. Mais écoute, très, très content d'avoir Richard. Richard, honnêtement, il m'a impressionné. J'en ai connu des luthiers, des archetiers. Mais je me rappelle, écoute, l'année passée, on a fait un on a fait un petit get-together avec quelques mildoristes, puis Richard était là, puis écoute, c'est pas compliqué, là, je buvais de ses paroles, parce que le gars est intéressant, il connaît ça, donc vous allez le voir, là, vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment donc un archetier passionnant avec qui parler. Donc, on va se croiser les doigts, on va espérer que tout fonctionne. Je ne sais pas si Richard, tu es là, si tu as des soucis ou quoi que ce soit, tu m'écris, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. On va l'attendre. OK. Feuilleté Saucisse demande, Jeff, as-tu déjà mangé de la colophane? Non, mais tu sais, quand on est jeune et qu'on veut tout tester dans la vie, j'ai déjà mis ça sur ma langue une fois, OK? Et je vous confirme que c'est pas bon, OK? D'ailleurs, je ne recommande pas aux gens de manger ou mettre de la colophane sur leur langue. C'est pas bon, voilà. Ça fait le tour, je pense. Est-ce que Richard, as-tu de la difficulté, Richard? C'est dans, tu vas dans, je vais te montrer à l'écran... voilà comment venir, c'est à partir de partir du numéro 5 dans le fond sur mildorvillon.com en direct. Ah voilà Richard qui vient d'arriver. Génial. Très bien. Donc je pense qu'on a réussi à avoir Richard avec nous. Salut Richard, comment vas-tu? Salut, ça va super bien, toi? Yes, yes, très content que tu sois là aujourd'hui avec nous autres, Richard. Hey Richard, je mets la table tout de suite, OK? Moi, j'ai commencé quand j'étais petit, j'avais, tu sais, là, les bonnes vieilles boîtes de violon Suzuki avec de la moumousse jaune à l'intérieur. Oui. Et dans le petit compartiment au bout, j'avais une espèce de petit...
une espèce de petit carré rouge en plastique, okay, avec de la colophane qui est entourée de liège. Et comme tout bon violoniste qui commence, la colophane était toute pétée dans mon dans le fond de ma boîte de violon. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette situation-là? Si tu savais, Jean-François, le nombre de fois par mois où cette situation-là arrive, on voit toujours des gens qui arrivent avec des colophanes qui sont complètement finies. C'est vraiment la colophane. Tu disais tantôt, j'aime vraiment pas la colophane. Puis c'est vraiment le mal-aimé du violoniste, la Je colophane, sais. parce que les gens se préoccupent tellement pas de ça. Puis c'est tellement une bonne idée que tu as eue Ouais. d'amener ce sujet-là aujourd'hui. Puis ça va être super intéressant, puis les gens vont apprendre beaucoup parce que Ouais. c'est quelque chose qui est méconnu, puis qui est tellement important. C'est ça qui va faire le contact entre l'archet puis le violon. Puis Oui, si la puis colophane n'est pas... on va se le dire aussi, moindrement quelqu'un a utilisé un archet sans aucune colophane. Il s'est rendu compte qu'on a une espèce de petit feeling plastique sur la corde. Il n'y a pas de son qui est produit. La corde n'est pas en vibration, ou en tout cas, c'est très, très peu. Et donc, oui, elle a son importance, mais on dirait que, comme tu dis, c'est le mal-aimé, premièrement. C'est comme, on dirait que ça vient avec le violon, fait que ça doit être bon. Et puis, j'imagine qu'il y a tellement à dire sur le sujet. Puis, comme, écoute, je te le dis, j'aime pas m'en mettre de la colophane. Je trouve qu'à chaque fois, on dirait que j'ai de la misère, ça grippe trop sur la corde. Fait que, on dirait que je repousse au le plus tard possible. Fait que là, je suis content. J'ai un spécialiste qui est avec nous autres aujourd'hui. Fait que, veux-tu nous introduire un peu, premièrement, c'est quoi ça, c'est de la colophane? Ça vient d'où? C'est quoi en tant que tel? C'est assez simple. La colophane qu'on met sur les archets, en fait, ça va être. C'est issu de la gomme de conifères qu'on retrouve. Quand on marche dans le bois, on OK. voit des sapins, des pins, des épinettes. Puis souvent, sur l'écorce, on peut voir de la gomme d'épinette ou de la Oui, gomme de oui, oui, sapin. oui. Et puis, donc, ça provient de là. Puis, dans cette gomme d'épinette-là ou gomme de pin, celle pour le. Qu'on va utiliser en archeterie, puis ben, pour les violonistes, ça va être une gomme de pin essentiellement. Fait OK. que cette gomme-là va être distillée. Donc, au départ, elle est coulante et tout ça. Ouais. Puis, par distillation, on va faire bouillir cette résine collante-là. On va en extraire d'une part le liquide qui va s'évaporer, qui va être de l'essence de térébenthine, puis OK. le résidu sec qui va rester. C'est ce qu'on va appeler la colophane. OK. Et puis pour faire la colophane, pour jouer du violon, on va remettre dedans une proportion d'essence de térébenthine pour la ramollir un peu. OK, Donc, oui, bon. c'est aussi simple que ça. Et puis là, il y a différentes recettes qui vont être utilisées dépendamment de chaque producteur de colophane. Oui, Mais on a plusieurs essentiellement, là, recettes. ça reste très naturel, très de base. C'est de la colophane avec un petit peu d'essence de térébenthine Ouais, dedans. ouais. Et donc, comme ça vient un peu de cette espèce de gomme de pin-là, qu'on est capable de toucher à l'arbre, puis on a les mains collées un peu, là, bien, ça fait en sorte que ça a une propriété où est-ce que quand on touche à de la colophane, bien, justement, on a les mains qui vont. Tu sais, on le sent, là, que ça, les mains collent ensemble un peu. Et pourquoi est-ce qu'on veut ça comme violoniste? Ben, c'est ça qui va donner l'adhérence. Tu sais, ce défaut-là de collant Ouais. devient une qualité pour le violoniste parce que ça va permettre d'accrocher après la corde, de OK. tirer la corde, de la relâcher, de la ragripper, de la relâcher. Puis c'est ça qui va créer la vibration de la corde, en fait, qui va produire le son. Et puis, donc, on veut qu'elle soit collante, on veut qu'elle soit fraîche. Je Et puis, comprends. on disait tout à l'heure, tu sais, le vieux bloc qui traîne dans boîte jaune de violon Suzuki, Exact. ben, c'est souvent la pire erreur que le violoniste va faire, c'est de garder une colophane beaucoup trop longtemps. Il va devenir tout sec, Écoute, je tout pense que sec. ici, j'ai un record mondial, je vais te dire, là. J'ai une petite colophane ici qui venait dans une boîte comme ça. Je sais pas si ça. Oui. Une petite colophane comme ça. Et je te dirais, je suis pas certain si c'est de la colophane ou un vieux caramel qui a été resté dans le fond de la boîte. Ça ressemble même pas à de la colophane tellement que c'est. Tellement que c'est. En tout cas, bref. Mais oui, déjà tout cassé là, en plusieurs morceaux. Puis c'est très typique de voir ça, hein, de la colophane qui est très brisée.
Alors que me semble que ça se casse pas tant que ça. Y a-tu quelque chose qui fait en sorte que ça devient plus cassant avec le temps? Ben, en fait, dans le temps, ce qui va se produire avec la colophane, c'est que l'essence qui a été amenée, comme je disais tantôt, pour créer la colophane pour les violonistes, ben, cette essence de térébenthine-là va finir par se réévaporer encore. Donc, c'est une essence qui est volatile. Donc, elle va s'en aller du petit pain de colophane. Puis la colophane va redevenir toute sec. Fait que c'est pour ça qu'on trouve des blocs comme ça, tout cassant, tout. Ah oui, hein? Ouais. OK, donc, mais ça j'imagine que comme tu disais, chaque fabricant ont comme leur ratio, si tu veux, là, de qu'est-ce qu'ils mettent dedans exactement, tout ça. Et donc, j'imagine qu'il doit y avoir des colophanes qui sont plus cassantes que d'autres, plus collantes que d'autres, plus souples que d'autres. J'imagine qu'il va y avoir des différentes. Il va y avoir des qualités différentes par rapport aux colophanes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cela? Est-ce que tu vois premièrement des différences ou c'est essentiellement toujours la même chose? Ben, essentiellement, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un domaine qui était très ésotérique. Oui, c'est vrai. Parce que chaque musicien va avoir sa colophane et tout ça. Mais essentiellement, les produits de base demeurent les mêmes. Et puis, les proportions ne peuvent pas changer nécessairement beaucoup, parce que sinon, ça fait que la colophane va être trop collante ou sinon, elle va être trop sec. Fait qu'on se retrouve avec des produits qui se ressemblent énormément. Il va y avoir quelques petits additifs, probablement. Ce qu'on peut voir, par exemple, la colophane Bernardelle, qui va être, je pense que c'est celle que tu utilises, hein, Jean-François. Ben, plus maintenant, parce que tu Plus m'en as maintenant. recommandé une autre que j'utilise maintenant, la Hill, Oui. WH Hill, je pense. Oui. Et puis, donc, depuis ce temps-là, ben, je l'utilise celle-là. Je trouve qu'elle va très bien. Puis en plus de ça, ben, je l'ai achetée de toi. Puis donc, elle est neuve, alors que ma Bernardelle, elle avait quelques années. Donc, mais oui, j'ai utilisé pendant longtemps la Bernardelle. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Bernardelle? Ben, elle est comme un peu plus cireuse. On ne sait pas qu'est-ce qu'il ajoute dedans, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle est comme un petit peu cireuse. C'est une colophane qui est très populaire. Moi, que j'aime moins à cause de ce côté cireux-là, j'aime moins. J'aime mieux quelque chose de plus pur. Et puis, c'est pour ça que je recommande souvent la Hill. La Hill va être pas mal un super bon rapport qualité-prix parce que c'est une colophane qui est abordable et qui fonctionne super bien. Fait que, Ben c'est... oui, je dois te dire que j'ai senti une différence. Oups, il y a quelqu'un qui veut rejoindre le webinaire. Non. Non, pas aujourd'hui, en fait. Écoute, j'ai un invité aujourd'hui et c'est Richard. Mais ouais, c'est ça. Donc, écoute, j'ai une chose que j'ai remarquée par rapport aux différentes colophanes, puis je ne sais pas si ça a de l'influence, mais il y a des colophanes qui sont plus foncées que d'autres. Il y a des colophanes qui sont plus pâles que d'autres. Est-ce qu'il y a une raison d'être à ça? Est-ce que tu vois une différence par rapport à cela? Personnellement, je vois pas nécessairement de différence au niveau du jeu. Par contre, ben, on va souvent dire que la colophane plus foncée va avoir plus d'adhérence. Mais je pense après ça, comment je dirais ça, c'est un domaine où c'est vraiment difficile de trouver de l'information. Moi, j'ai cherché beaucoup, beaucoup. Puis c'est vraiment difficile de connaître les recettes, de connaître les choses. On dirait que chacun veut garder sa recette puis pas trop dire qu'est-ce qu'il y a dedans, même si, à mon avis, ça reste assez simple. Mais ça dépend de la provenance de la colophane, de quel arbre ça va provenir et puis quel moment de la saison aussi. Fait qu'il va y avoir des différences par rapport à ça. Fait que, Je comprends. essentiellement, mais je pense que certains producteurs vont même ajouter probablement peut-être du colorant dedans ou pour en faire quelque chose de différent. Par exemple, j'avais un restant de colophane, ça, je vais vous montrer, qui était je crois que c'est la Cecilia. On va avoir une colophane qui est deux Deux couleurs, couleurs. ben oui. Donc, on va avoir une colophane qui est jaune puis verte. Fait que les producteurs s'amusent
à mettre des colorants dedans pour personnaliser, si on veut, là, de Ouais, question c'est une question de branding marketing, aussi, mais là. Ouais. ouais. Puis, écoute, moi, les expériences que j'ai eues avec la colophane verte n'ont jamais été très concluantes de mon côté. Fait que je me suis mis à me dire, ben écoute, j'essaie d'éviter la colophane verte, mais est-ce que c'est essentiellement encore la même genre de fabrication, le même genre d'arbre, etc., ou si c'est d'autres choses? Est-ce que, par exemple, il y en a qui sont pour violoncelle, d'autres pour violon, ou quelque chose comme ça? Oui, il va y avoir des différences, mais tu sais, à mon avis, la seule différence qu'on va trouver entre violon, alto, violoncelle, parce qu'on a de la colophane pour alto aussi. Puis la seule différence qu'on va trouver, là après ça, c'est mon avis personnel, mais c'est la proportion d'essence de térébenthine qui va être ajoutée dans le mélange, qui va faire en sorte que ce soit plus collant un petit peu pour celle en violoncelle. Donc, plus on va aller vers un instrument qui est gros, plus la colophane va être collante. Donc, celle pour contrebasse, là, si on la laisse de côté, là, elle se renverse, ça prend du temps, là, mais si C'est ça. on la laisse une journée dans un endroit où il fait assez chaud, elle va se renverser, elle va couler. C'est ça. Oui, Puis si tu joues de la double contrebasse ou l'octobasse, je ne peux l'octobasse, pas justement, imaginer, là. mais là, c'est plus de la colophane, c'est du goudron qui te donne, là, t'sais. Oui, probablement. Ils prennent probablement qu'ils prennent direct sur l'arbre, Oui, c'est ça, en exactement. tout cas. Mais, OK, ben, très bien. Écoute, une colophane, là, essentiellement, ça dure combien de temps? Parce que tu me dis qu'il y a une portion qui est volatile là-dedans, qui est la térébenthine. Donc, j'imagine que quand, justement, ça s'évapore, il y a des propriétés qu'on avait avec la colophane qu'on ne doit plus avoir. Donc, il doit avoir, en quelque part, une durée de vie, non? Absolument. Puis, il n'y a aucune colophane qui a une date de fabrication, date d'expiration. Et puis, donc, c'est le plus grand défi pour les violonistes de trouver une colophane qui est fraîche. Parce que moi, souvent, ce que je conseille aux musiciens qui passent nous voir, c'est de dire, ben, tout le monde me pose la question, c'est quelle la meilleure colophane? J'ai jamais la réponse. Mais la seule réponse que je trouve à lui donner, c'est, ben, peu importe. Achète une colophane qui est fraîche. Puis, c'est difficile à trouver. Puis, faut vraiment aller voir chez les archetiers, les luthiers, qui vont avoir un bon roulement. La pire erreur qu'on peut faire, c'est d'aller dans des fois des magasins de musique grande surface où eux vont avoir vraiment un roulement qui va être moindre. Ils vont acheter des grandes quantités pour pouvoir payer moins cher. Et puis là, les colophanes, des fois, vont rester sur les tablettes 2, 3 ans avant que le musicien l'achète. Puis à ce moment-là, la colophane est déjà plus bonne. Tu me demandais la durée de vie de la colophane. Moi, je calcule environ 1 an, 2 ans. 2 ans maximum, on change. Fait que c'est important, c'est le contact avec la corde. Puis c'est pas quelque chose qui est onéreux puis qui coûte Ben cher. non. Surtout si ça dure jusqu'à 2 ans, on s'entend que, tu sais, ton investissement, il est rentable, Oh oui, absolument, là. absolument. Fait que ça vaut la peine de changer régulièrement. Puis en fait, ça vaut pas la peine de conserver ça longtemps pour rien. La façon de savoir quand est-ce que la colophane est plus bonne, Oui, ça serait très utile, oui. c'est Effectivement. super utile. On le voit à partir du moment où ça poudre beaucoup sur notre instrument. On se ramasse avec beaucoup de colophane en poudre blanche sur notre touche. Oh, il y a des gens Quand qui vont la se touche est reconnaître. chevalet, le colophane commence à être vraiment sèche. Fait que c'est le temps de Exact. changer. Donc, ce que tu me dis, c'est que, parce qu'il y a toujours de la poudre quand même quand on utilise la colophane. Ça, c'est normal parce que, veux, veux pas, elle va s'effriter au contact d'écrin. Puis, c'est cette micro-poudre-là, blanche, qui va, dans le fond, être t'sais, microscopique, puis qui va amener cette adhérence-là sur la corde. Par contre, ce que tu me dis, c'est qu'après un certain temps, c'est que au contact de l'archet, elle va s'effriter davantage, puis il va y avoir encore plus de poudre. Oui, mais ce qui se produit, c'est que le violoniste va mettre beaucoup de colophane, puis là, ça adhère moins. Puis là, il vient à un moment donné, on est obligé de tout le temps en remettre.
Et puis là, elle est sec, puis elle produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de poudre. Fait que, elle joue plus son rôle d'adhérence qu'on recherche. Oui, parce Fait qu'elle ne fait que que, s'effriter, puis elle colle plus, là. voilà. Fait que c'est OK. normal que ça fasse un petit peu de poudre, mais quand Oui. ça devient excessif, on le voit, on est toujours obligé de nettoyer notre archet, de nettoyer notre instrument ou la touche en dessous des cordes. Mais là, c'est parce que ça fonctionne plus, là. Ouais. Faut acheter une nouvelle colophane. Très bien. Juste rassurer les gens en ce moment qui nous écrivent, je vois vos commentaires, il n'y a aucun problème. Je vais juste terminer les questions que j'ai comme préparées d'avance un peu avec Richard pour être certain qu'au moins de notre côté, on a tout dit. Puis après ça, je m'en vais directement avec vous. Donc, continuez de nous écrire votre prénom en majuscule parce que sinon, je ne lirai pas, là. Votre prénom en majuscule suivi de votre question pour Richard. Puis tout de suite après, donc, je te passe les questions du public. OK. Alors, pour ce qui est du choix de colophane, il doit y avoir des marques plus connues, des marques plus aimées en général. Là, on a parlé, par exemple, de la WE-Hill ou WH-Hill, je me rappelle plus. Qu'est-ce que c'est entre les deux? W-E-I-L. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu Yeah. l'as. Ah oui, OK. Ah. Ah oui, hein? Je OK, l'avais ben. de près. Donc, c'est cette colophane-là qu'on retrouve dans un petit baluchon vert. Oui. La île va être produite en deux sortes. Donc, une colophane foncée, puis une colophane plus pâle. OK. Et puis, c'est des colophanes qui se ressemblent. Bien, certains vont dire que la verte, elle est un petit peu plus collante. Et Oui. puis, c'est une colophane que j'aime beaucoup parce qu'elle convient à peu près tous les styles. À un certain moment donné, je voyais que les musiciens traditionnels l'utilisaient beaucoup, l'aimaient beaucoup. OK. Elle a une bonne adhérence, puis elle fonctionne super bien. Donc, OK. c'est une des colophanes les plus populaires. L'autre va être la Bernardelle, que j'aime moins un petit peu, mais qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à Puis fait. sinon, après ça, il y a la Kohlstein que moi je vais garder, Oui, qui va être tu super m'en avais clean. parlé et je te Oui. dirais que juste d'avoir la petite boîte, on dirait qu'on se sent spécial. Oui, c'est une petite Bel boîte en exercice de carton, c'est tout. branding. C'est Comment ça tout. s'appelle, tu dis? Donc, c'est la colophane qui s'appelle la Samuel Kohlstein. Donc, c'est OK. une colophane américaine, donc Ouais. qui est Est-ce que tu peux pas très l'épeler connue. pour les gens qui sont à la maison? Oui, donc Kohlstein. Kohlstein. Goldstein. OK, parfait. Kohlstein. Ouais. Et puis, c'est une colophane qui fonctionne très bien. Nous, on va la tenir en violon, en alto, puis en violoncelle. Ouais. Donc, essentiellement, là, il y en a des dizaines et des dizaines de sortes de colophanes. Exact, Et oui. puis quand j'ai commencé dans mon métier, je m'étais dit, ah, ben, je veux desservir tous les musiciens. Puis là, je voulais avoir toutes les sortes de colophanes. Fait que Oui. j'ai acheté plein de quantités de plein de sortes. Et Ouais. puis là, au bout d'un an ou deux, ben, j'ai fait, ah, ben là, ils sont pas vendus. Fait que là, j'ai tout jeté. Parce que je voulais pas vendre des colophanes qui n'étaient pas fraîches. Et puis, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Puis, je me suis concentré sur des colophanes qui étaient des bons standards, Oui. des bonnes marques reconnues, Exact. qui ont une constance dans la fabrication. Et puis, Oui. aujourd'hui, c'est les deux seules que je vais garder en atelier, Ah oui, hein? la Hill et la Kohlstein. Ah oui, Fait OK. que, ouais, c'est les seules deux colophanes que je garde. Et Oui. puis, comme on disait tantôt, ben, la fraîcheur va être Oui. le principal qu'on va rechercher. Donc, je Oui. vais tout le temps conserver à peu près 6, 8 colophanes en stock, jamais plus que ça. Puis, je fais des commandes régulièrement pour Ah, m'assurer mais ça, c'est d'avoir très toujours la bien. colophane la plus Mais ça, ce que fraîche. ça veut dire aussi, c'est que faudrait éviter le plus possible d'acheter ces colophanes-là sur Amazon. Parce que, tu sais, on s'entend pour dire une chose, c'est le fun Amazon. Okay? Moi, j'achète plein de choses là-dessus. Puis là, je dis Amazon, eBay ou peu importe, Kijiji. Mais tu sais, d'aller voir un archetier.
Comme toi, tu as deux boutiques en toi. Tu es à Québec et à Oui. Montréal. Puis si tu n'es pas là, il y a Sandrine aussi qui est là, Sandrine Lhermanier, qui fait un super bel job en passant. Et donc, on peut aller vous voir au Québec comme ça. Sinon, mais en France, il y en a aussi des archetiers. Mais d'aller voir des archetiers qui ont un bon roulement, ça va faire une grande différence parce que vous approvisionnez. Vous n'allez pas en commander 200 sur Amazon, là. Non, absolument Vous pas. allez directement au fabricant, là. Absolument. OK. C'est vraiment la pire erreur à faire. Même si on Ben oui. sauve 2 $ ou 2 € sur notre colophane, puis qu'on achète une colophane qui ça fait 3 ans qu'elle est sur une tablette Elle est déjà dans un finie. entrepôt d'Amazon, Ouais. l'achat est inutile. Donc, on vient de sauver 2 $, mais on vient d'en perdre Ouais. 15. Fait Ah, que, on vient de me à dire jamais. que mon compte Amazon ne fonctionne plus. Donc, Ouais. c'est ça, important. Puis, c'est ça, prenez le temps d'aller voir vos archetiers, vos luthiers, peu importe ce que vous Oui. êtes. Je sais que tu as des gens de partout à travers le monde là, qui travaillent avec toi, qui prennent des cours avec toi. Donc, n'hésitez pas. Les archetiers, les luthiers sont vos spécialistes, puis sont là pour vous conseiller, puis Ah, pour vous définitivement. garantir des produits qui sont frais, puis qui Ouais, parce que je suis allé vont chez bien. Archambault l'autre jour, puis j'ai posé les mêmes questions qu'à toi, puis je te dirais qu'il disait colo quoi? T'sais, on s'entend là, t'sais, Oui. puis c'est pas une question d'élitisme, c'est une question de bien connaître son produit. Puis t'sais, les archetiers, les luthiers, vous dédiez votre vie à ça. Donc t'sais, en quelque part, il y a toute la connaissance que vous avez, que vous apportez, vous pouvez conseiller vos clients. Puis en même temps, vous en avez vu d'autres, des problèmes avec les archets, avec les violons, etc. Donc c'est important de pouvoir se mettre ami avec son luthier, même si certains luthiers, des fois, ont tendance à être un peu hautain, mais je sais, j'ai entendu parler de ça souvent dans ma vie. Mais allez voir donc à la Maison du Violon, allez voir Richard Morancy à archet.ca ou l'Archeterie Morancy dans le fond. Il y a plein de bons luthiers, il y a plein de bonnes personnes qui dédient leur vie et ça vaut la peine d'aller voir justement ces spécialistes-là, tout à fait. Écoute, moi, ça fait le tour des questions que j'avais, à moins que tu. Est-ce que tu as quelque chose que toi, tu voulais rajouter ou tu penses qu'on n'a pas abordé? Ah oui, il y aurait comment l'appliquer. Est-ce que tu peux nous montrer, de la part d'un archetier, comment on applique la colophane, justement? Absolument. Oui. Si tu t'enlignais pas là-dessus, Oui, tu t'en je allais travaillais là. pas. J'étais prêt. En Oui. fait, l'important, souvent, les gens vont arriver, vont faire changer la mèche de leur archet, ils vont venir chez nous, ils vont acheter une colophane neuve. Et puis, si je les coach pas ou tu sais, je ne lui donne pas les informations, ça ne fonctionnera pas. Donc, une mèche neuve sur une colophane neuve, on n'arrive pas à mettre de la colophane et puis on peut Oui. passer 15 minutes puis ça ne marche pas. Donc, Oui. je vais prendre le temps de vous expliquer la façon que moi je fonctionne puis qui fonctionne super bien. OK, très bien. À savoir que quand on fait remécher son archet chez nous, soit par moi, soit par Sandrine à Montréal, ben, on remet l'archet. Avec une mèche sur laquelle il y a aucun produit, il n'y a aucune colophane et tout ça. OK. Certains ateliers vont mettre une colophane en poudre et tout ça, mais Oui. encore là, c'est pas ma manière de faire, c'est pas la manière que j'ai appris. Donc, on Ouais. livre l'archet avec la mèche neuve Ouais, puis à chaque le luthier musicien pour. après choisit comment il veut, ouais, c'est Et ça. voilà. Ouais. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une colophane. Là, je vais prendre celle-là là, que je vous montrais tout à Oui, l'heure. oui, Et oui. puis, ce qu'on va suggérer de faire, on prend un petit papier de verre, un petit papier sablé, puis Oui. on va dépolir la colophane. Vous allez voir, là, ça va créer une petite poudre dessus. Ah, mais c'est beau la colophane polie. Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est ça. Là, on brise tout le charme de la colophane qui a l'air d'un beau sucre d'orge. Et puis, on dépolit tout ça pour faire une petite poudre comme ça. Oui. Vous allez voir, je vais vous montrer, là, ça crée une petite poudre Ah qui oui, est une poudre vraiment blanche, ben oui. super, super fine. Et Ouais. puis là, après ça, on va prendre notre archet, on va pouvoir l'appliquer de cette façon-là. Et puis tranquillement, on va en répartir un petit peu partout. Une chose qui sera super importante à ce moment-là, c'est de ne pas appliquer trop de pression sur la colophane. Donc, j'ai vu souvent des archets cassés en mettant de la colophane. Ah oui, Donc, hein? les gens arrivent, puis ils mettent de la colophane, puis ils pèsent super Ah fort, ouais, puis là, hein? la tête casse ici. Ben voyons, ah ouais. Quand on met de la pression sur la corde,
La corde, elle a une souplesse, ça va. On peut mettre de la pression beaucoup avec l'archet sur la corde, puis la corde, elle est élastique. La colophane, elle est super rigide. Si on Ah. pèse extrêmement fort ici, là, on va mettre beaucoup de pression, puis on va casser la tête de l'archet. Donc, Je à comprends. faire vraiment attention à ce niveau-là. OK. Donc, on a dépoli notre colophane, on en met un petit peu sur toute la longueur. Ouais. On recommence, on redépolit la colophane un petit peu, on repasse notre petit papier sablé. On remet de la colophane encore une fois, et puis on va faire ça à peu près 3 fois. Puis, quand on regarde à la lumière, on va pouvoir voir face à une fenêtre, on va pouvoir voir à quel endroit il en manque. On va voir si le crin va devenir un petit peu plus blanc. Et puis, on va voir si on a une application qui est égale. Ah. Donc, on passe comme ça. On refait ça à peu près 3 fois. Puis là, on peut essayer notre archet, voir si ça marche bien, si ça accroche bien. Et Exact. puis, s'il en manque, ben là, à partir du moment qu'on l'a fait 3 fois avec le petit papier sablé qu'on a dépoli, là, il commence à avoir une certaine quantité sur la mèche. Et Ouais. puis, cette quantité de colophane-là qui est sur la mèche va créer une adhérence sur la colophane. Donc, on n'a plus besoin de dépolir après ça. La mèche va prendre la colophane sur notre petit pain, puis on va pouvoir jouer comme ça. Fait qu'on essaye, on voit les endroits qui en manquent, on en rajoute un petit peu. Puis le plus important, Jean-François, Oui. c'est une erreur souvent que les gens vont faire, c'est de mettre beaucoup trop de colophane sur Exact. leur mèche. Donc, Exact. ce que nous, on va suggérer, Sandrine et moi, c'est de mettre pratiquement le moins possible. Ah Donc, oui. on veut que la mèche, elle adhère bien. Puis à partir du moment où on va la garder comme ça jusqu'à temps qu'elle adhère plus, on va la remettre un petit peu comme ça. Ouais. Puis c'est pas nécessaire d'en mettre si on pratique à tous les jours, c'est pas Ah non, nécessaire non, d'en pas du remettre à tout. toutes les fois qu'on pratique puis qu'on beurre ça. On peut Ouais. prendre notre violon, on regarde, ça marche, ça adhère bien, on a du fun. Moi, Ça sera l'important. Ouais. j'ai comme développé une politique avec le temps avec mes élèves en leur disant tout simplement, écoute, mets-en, puis une fois que tu en as mis, oblige-toi pas à en mettre à une fréquence en tant que telle. Mets-en si tu commences à sentir que ton archet a moins d'adhérence. Et là, à ce moment-là, tu l'utilises vraiment de manière utile. Parce qu'il faut s'entendre, le genre de règle qu'à chaque 2 pratiques, ou à chaque semaine, ou à chaque jour, ça dépend vraiment de à quel point tu vas jouer, à quel point tu as utilisé ton archet, à quel point tu as fait des techniques qui demandaient vraiment, tu sais, qui étaient plus exigeantes que d'autres. Donc, en quelque part, c'est une erreur d'en mettre à chaque fois. Et la problématique, c'est qu'à un certain point, puis ça, tu dois le voir souvent, la colophane, comme elle a une propriété collante, elle vient comme s'agglutiner autour de la corde, puis elle vient faire des espèces de roches ou des pains de colophane, et là, ça fait en sorte que la corde, elle vibre plus de manière élégante. Je sais pas si tu as remarqué ça souvent chez les gens qui vont vers toi. Oui, ben, c'est ça. Les luthiers vont suggérer de nettoyer les cordes, tu sais, régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt de colophane parce que ça va modifier aussi l'adhérence de la mèche sur la corde. Donc, Oui. c'est important. Si des fois vous pouvez mettre légèrement un petit peu d'alcool Oui. sur un petit chiffon, faut pas que ça dégoutte sur votre instrument, bien sûr, mais Oui. de juste sentir qu'il y a un petit peu d'alcool, puis vous nettoyez vos cordes à l'endroit où on Oui. frotte. Ma Qu'est-ce que vous professeure utilisez, toi? m'avait montré ça. C'est des tampons alcoolisés. Ah. Tout ça, tu sais, qui se vendent à la pharmacie. Tout simplement, donc pour désinfecter une plaie. Mais tu sais, c'est vraiment de l'alcool à friction, donc de l'alcool pur. Là, on parle, tu sais, c'est pas de la tequila sur un Kleenex, là. Mais dans le fond, c'est ça. Et puis à ce moment-là, ben, tu sais, c'est des petits tampons comme ça que tu mets à l'entour, effectivement, puis ça vient dissoudre la colophane, là, tu sais. Évidemment, tu fais pas ça tous les jours parce que tu veux pas non plus, tu sais, dans le fond, jouer sur les propriétés de la corde, mais quand même, je pense que ça peut aider. Je le dis parce que c'est facile de s'en procurer en pharmacie. Oui, c'est vraiment une bonne idée. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé parce que j'ai toujours des bouteilles d'alcool Ouais. pour faire les vernis et tout ça, mais c'est vraiment Exact. une bonne idée. Je vais Ouais, le ouais. suggérer d'ailleurs, Ouais. ou je vais peut-être m'en garder ici Ouais, ben c'est pour intéressant parce la prochaine. que ouais, c'est ça. T'en utilises juste comme t'en as besoin. Oui. Écoute, on va commencer à regarder, à moins que tu aies d'autres choses à mentionner, toi, de ton côté. Je veux pas non plus te couper la Ben. parole.
Ben non, allons voir Ouais, qu'est-ce que allons les voir. gens ont comme Ouais. question. Parfait, parce que, écoute, j'en accumule depuis le début. Alors, donc, commençons avec la première personne qui a écrit son nom en majuscule. Oh mon Dieu, vous participez donc bien aujourd'hui, c'est le fun. Nadia, pourquoi il y a plusieurs couleurs? On l'a déjà dit. Eric, il y a une multitude de sortes de colophones. Quelles sont les particularités d'une à l'autre? On l'a dit aussi. OK, Nathalie qui dit, que penses-tu de la Célia, de la Mélo et de la Bernardelle? Bernardelle t'en a parlé, mais Célia et Mélo? C'est des colophones que je connais pas. OK. Ça reste des beaux produits. D'ailleurs, j'ai rencontré Nancy hier Oui. qui m'en a parlé et puis qui m'avait demandé d'en glisser un mot, puis elle m'a OK. posé les questions. Et puis, ça ressemble. Je vous montrais la colophane deux couleurs, là. Oui. C'est la même compagnie qui fait ces colophones-là. Donc, ils ont des beaux produits. Ils ont des petits systèmes d'application, là, qui ont comme un petit peigne dedans, puis qui permettent d'enlever un petit peu de cellophane. Mais je trouve qu'ils ont des beaux produits. C'est super bien présenté. C'est très marketing. C'est très, très bien. Je ne sais pas quel prix ils vendent ça. Moi, j'en tiens pas en stock. Puis les musiciens ne m'en demandent pas nécessairement. Les musiciens professionnels s'accordent avec ce qu'on retrouve ici en boutique. Ouais. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en autant que vous vous assurez que la cellophane est fraîche, Oui. je pense que ça va être un excellent produit, puis que ça va être super bien. Je ne sais pas le prix qu'ils vendent, t'sais, avec tous les boîtiers, le petit peigne, le petit Ouais, système ouais. d'application et tout ça. Ouais. Je trouve ça bien, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement de la plus grande utilité non plus. La cellophane s'applique de cette façon-là, avec juste un peigne cellophane. Depuis Oui. déjà 200 ans, puis ça convient très bien. Les Oui. musiciens arrivent à faire des concertos formidables juste comme ça. Donc, Oui. ça Donc, c'est pas peut. mauvais. C'est un beau plus qui est intéressant, mais Oui. dans le fond, c'est une façon pour eux autres de faire du marketing autour de leurs produits. Mais ça enlève rien à leurs produits. Au contraire, ça peut être très bien aussi. Comme tu dis, tant que la Oui. colophane est fraîche. On va continuer Absolument. avec une autre question ici de. Attends, ça a déjà été répondu. Ça, c'est une bonne question de Nadia ici. J'ai deux colophanes, Dominante Rosine et Gustave Bernardel. Peut-on les mélanger? Moi, je vois pas nécessairement de problème à les mélanger. À OK. partir du moment où on a deux cellophanes qui sont fraîches, Oui. je vois pas nécessairement trop de problématiques à ce Ouais. niveau-là. Parce que tu vois, je fais une parenthèse à cette question-là parce que je regarde la compagnie Thomas Stickenfeld dans leurs vidéos et la compagnie comme Pirastro aussi. Ils ont tendance à faire le lien entre leur colophane spécial à eux et leur corde et de dire qu'un va avec l'autre ont été designer, penser. Est-ce que tu penses que c'est du marketing, tout simplement? Absolument. OK. Après ça reste mon opinion. Oui, ben. Ça me fait penser, je déjeunais avec mes enfants, là, puis je regardais sur le pot de beurre de pinot, là. Les suggèrent une tarte au beurre de pinot avec à peu près cinq autres produits qui sont Kraft également. Oui. Donc, ils s'assurent que tu fasses une tarte en achetant cinq autres produits. Donc, Oui. à mon avis, c'est C'est un peu le simplement du même principe. marketing. Oui, C'est oui. bien. Puis, ils font des bons produits aussi et tout ça. Ben oui, Et exact. c'est une manière De vendre, oui. de faire du marketing croisé. Ouais. Ben, très bien. Après ça, Jean qui dit, doit-on changer le crin si on change la colophane? Bonne question. Moi, je pense pas. Je pense que finalement, comme tu dis, ça vient. C'est tout simplement quand le crin est usé, là. Oui. Oui, après Souvent, on va ça. suggérer, à partir du moment où vous jouez de façon régulière, nous, ce qu'on suggère, c'est changer votre mèche une fois par année, si vous jouez un petit peu comme il faut, Oui. puis votre cellophane aux 2 ans. Gardez-vous une petite alerte sur votre agenda, votre téléphone, à dire, ah, Exact. tu sais, temps de changer la cellophane. Exact, exact. Ouais, tout à fait. Écoute, les alertes, je ne vis que par ça. On a Franck ici qui dit, est-ce qu'on peut changer de colophane du jour au lendemain et au bout de combien de temps on peut considérer que l'ancienne a disparu de la mèche?
Ah, il va toujours en rester, hein. Ah oui, hein? Il va toujours en rester, puis faut vivre avec ça. La seule façon de l'enlever, ça va être de changer la mèche. Donc ce qui est intéressant, c'est de changer de colophane quand on fait remécher notre archet chez notre archetier. Ça va être la meilleure chose à faire. Bon, on peut demander, ça fait toujours plaisir chez nous on peut vous démarrer votre archet pour s'assurer que la colophane est appliquée de belle façon, de façon régulière, et puis ça nous fait toujours plaisir de prendre le temps de le faire. Ben oui, puis en même temps de pouvoir aller essayer des archets, c'est tellement. Oups, attends un petit peu, je t'ai perdu complètement. D'aller essayer des archets aussi chez son archetier, quel beau moment de vie, c'est tellement le fun. Là, écoute, je viens de voir ici Nancy qui dit rappelle-lui Bain-Marie. Donc, Oui, c'est parfait. Nancy, je t'avais pas oublié, je l'avais en tête, j'attendais le bon moment. Si tu souhaites, Jean-François, on peut passer dans la section mauvaises idées. OK, parfait. Donc, les mauvaises idées et mauvaises bonnes idées qu'on peut trouver sur Internet concernant la colophane. OK, très Donc, bien. on va trouver un paquet de recettes ou de choses à faire qui sont vraiment inappropriées, entre autres, comment nettoyer sa mèche ou comment raviver sa colophane. Donc, la question de Nancy hier, c'était: ah, j'ai vu sur Internet qu'on pouvait faire un petit bain-marie, mettre notre colophane, puis mettre de l'alcool, puis fermer le couvert, puis que là, ça allait raviver notre colophane. Donc, donc de mettre de l'alcool dans un plat sur le rond de la cuisinière, c'est jouer avec le feu. C'est le cas de le dire. L'alcool va être extrêmement inflammable, puis on risque de brûler notre maison avec cette mauvaise bonne idée. Et puis, autre chose, dans le fond, je vous expliquais en quoi était constituée la colophane. Donc, on parle de colophane, qui est le résidu sec de la résine de pain, De pain, oui. excusez-moi, et puis d'essence de térébenthine. Donc, il n'y a aucunement de l'alcool dans la colophane. Donc, je disais à Nancy hier, j'ai dit: ben, imagine que tu veux mettre du jus d'orange dans une pomme, puis tu fais la même affaire. Tu mets du jus d'orange dans le fond de ton bain-marie, tu mets une pomme dans un petit contenant. Est-ce que tu penses que ta pomme, elle va s'imbiber de jus d'orange? Elle dit non. J'ai dit, c'est la même affaire, tu sais. Donc, ça conviendra pas. Ben Au lieu de risquer de brûler sa maison et tout ça, oui. allez voir votre archetier encore une fois, Ouais. dépenser 15-20 $, Ouais. 20-25 $, puis achetez-vous une belle colophane fraîche, puis ça va. Ouais. Ça Puis va faut être dire beaucoup une mieux. chose, comme on la change aux années ou aux 2 ans, par exemple, de la colophane, et que ça va nous avoir coûté top, top, top 50 $, je veux dire, est-ce que tu offres des plans de paiement sur ton colophane? J'y ai pas pensé encore, mais Écoute, on peut toujours s'arranger là. À tous les jours, Oui, tu viens avec 25 cents pour. oui. Bon, ben très bien. Écoute, je regarde ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, j'ai Nathalie qui écrit ici. J'ai testé le fameux applicateur sans plus. Après avoir utilisé la Cecilia, je l'ai trouvée trop collante et je suis revenu à la Bernardelle, mais elle a plus d'un an. Donc voilà pour ça. Et j'ai Yao ici qui écrit. Oui, effectivement, je suis né un jeudi. Donc, je voulais juste clore ce dossier-là. Nathalie qui dit, peut-on rattraper, réparer une colophane brisée? C'est difficile. Faudrait en théorie, ça se fait. Donc, il faudrait la chauffer encore une fois sur notre four, sur notre cuisinière, et puis la faire fondre, mais puis se créer un moule pour la recouler dedans. Donc, c'est toujours possible, mais c'est extrêmement compliqué encore une fois. Puis le fait de la faire chauffer, ben l'essence de térébenthine va s'évaporer, puis on va se retrouver avec une colophane Oui, qui exactement. va. Donc, il n'y a pas d'autre façon de reconstituer notre colophane que de la faire chauffer. Non, puis on Le mieux, s'entend là, tu c'est. sais, tu peux aussi prendre ton bloc de sirop d'érable, le refaire réchauffer de nouveau, mais ça se pourrait qu'il devienne dur en titi, tu sais. Exactement. Donc,
Le mieux, c'est de pas l'échapper, mais c'est vraiment désolant, puis ça arrive tellement Ouais. trop souvent. Le crin se prend dans les côtés de la colophane ou à quelque part, puis Exact. la part de nos mains. Puis, Voilà. ouais. Voilà. OK, ben écoute, je pense honnêtement que ça fait quand même bien le tour. Donc essentiellement, on se souvient de ça, hein, comme quoi qu'on veut avoir une colophane qui est fraîche, puis à ce moment-là, ben, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis l'autre chose que je me souviens, c'est aller voir votre archetier. puis oui, parce qu'ils ont un roulement. Et donc, c'est là où tu veux justement aller chez un archetier, t'sais. Même au-delà, si ta mèche est encore correcte, mais au moins quand tu vas t'acheter ta colophane, va à une place qui a un roulement pour être sûr que ta colophane, elle commence au jour 1 et non pas au jour, t'sais, 600. Donc, Oui. voilà. OK, ben très bien. Je vois, est-ce qu'il y a une autre question ici? Mélanie qui dit, est-ce qu'une vieille colophane peut abîmer l'archet, en plus de ne pas permettre un bon son, bien sûr? Bonne question. Absolument. C'est vraiment une bonne. Oups. Je pense qu'on a une problématique en ce moment. D'accord, alors on va laisser le temps à Richard de. Je vais juste lui écrire un petit. Ah, le voilà. Non, je l'ai reperdu. On va attendre. Richard, on t'a perdu. Ah, le voilà. OK. Je pense que tu es de retour, Richard. Bougez pas. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, on te voit bien, on t'entend bien. Génial. Désolé. Donc, c'est ça. Désolé. Problème de connexion. Oh, pas de problème. Donc, c'était vraiment une super bonne question. Puis, autant que possible, là, ce que je peux vous dire, c'est Oui. éviter de mettre une colophane qui est trop vieille sur votre mèche. Puis, tu sais, c'est quand même un certain investissement de faire changer sa mèche. Puis, on veut que ça fonctionne bien. Assurez-vous de mettre une colophane qui est fraîche. Donc, si vous avez une colophane que vous n'êtes pas certain puis que ça fait longtemps qu'elle est dans votre étui, mettez pas ça sur votre colophane. Vous risquez de bourrer votre colophane, votre mèche de colophane trop sèche. Puis, ça va abîmer votre mèche. Bon, ben génial. Et puis, l'autre chose que maintenant qu'il me reste à te demander, c'est tout simplement, si on veut aller te voir justement, c'est où que tu es? Tu as un site web? Comment on fait pour prendre contact avec toi justement pour nos mèches, pour notre colophane, etc.? C'est très facile. Vous pouvez nous joindre sur notre site internet à archet.ca. C'est facile à retenir. Et puis après ça, vous pouvez venir nous voir à l'atelier de Montréal sur la rue Saint-Hubert, sur le plateau Mont-Royal, puis à l'atelier de Québec sur le boulevard Amel. OK. Idéalement, on demande aux gens de prendre rendez-vous. Quand vous allez sur notre site à archet.ca, vous allez voir, il y a une plateforme de rendez-vous en ligne qui est vraiment Oui. facile d'utilisation, puis qui est vraiment pratique pour nous aussi pour organiser notre travail. Ben oui. Et puis, on vous invite également à vous inscrire à notre infolettre pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore Oui. adhéré. Et puis, après ça, n'hésitez pas, vous allez avoir toutes nos coordonnées sur notre site Internet. Oui. N'hésitez pas à nous téléphoner, à passer nous voir. Puis, Oui. si vous avez quelques questions que ce soit, Sandrine et moi, ça nous fait toujours un plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Tu parlais tantôt que certains luthiers sont hautains des fois, ou certains ont Ah, c'est vraiment pas certaines votre des cas. mauvaises. C'est vraiment pas notre cas. Ah non, On vraiment pas. adore travailler avec les gens, puis Oui. c'est notre passion, puis on la partage en fait. Fait que Oui. gênez-vous pas, contactez-nous, communiquez avec nous, puis c'est toujours un plaisir. Oui, tout à fait. Puis j'ai Sandrine en ce moment qui écrit donc archet.ca. Elle a déjà fait le lien, donc merci Merci, Sandrine. Donc voilà pour ça. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Écoute, je te laisse, je vais te donner une mission parce que là, juste pour être certain que comment je pourrais dire ça? Que ça soit vraiment au hasard, je vais te demander de me dire entre moins 5 et plus 5, choisis un chiffre là-dedans, OK? Dis-moi-les pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le test ici en ce moment parce que là, c'est le temps de faire le tirage pour le concours. Donc, juste m'assurer que j'ai le total.
On va faire donc le concours. On est rendu à... Ah oui, oh mon Dieu, il y a beaucoup de monde. OK, donc il faut que j'update mon chiffre ici. OK, fait que là, ce que je vais faire, je vais peser sur le bouton pour qu'il va me donner un chiffre au hasard. Et on rappelle que là, en ce moment, ce qu'on va faire, c'est le tirage d'un archet pro. Les gens vont pouvoir aller chez toi, ou s'ils sont évidemment en Europe, tu pourras leur envoyer l'archet aussi. Mais sinon, s'ils sont du Québec, ils pourront aller soit à Québec, soit à Montréal pour choisir eux-mêmes leur archet, tout ça. Et puis, ça vous est offert donc par Mildor Violon et l'archeterie Morancy. Donc voilà, on fait le tirage en ce moment. Donc je vais peser sur le bouton ici parce que là c'est le temps du tirage. Est-ce que vous êtes stressé? Pas stressé, mais est-ce que vous avez Fébrile. hâte? Oui, fébrile, exactement. Donc c'est parti, je vais peser sur mon bouton. 1, 2, 3, go. Attends un petit peu, j'ai pas réussi à... Est-ce que je vais réussir? Voilà, OK. Donc là je te demande entre moins 5 et plus 5, juste pour rajouter du hasard là-dedans, puis être sûr que c'est pas arrangé avec le gars des vues. Qu'est-ce que tu me dis, Richard? 3. Fait que je rajoute 3. OK. Fait que ça, c'est le numéro. Très bien. Là, je m'en vais dans ma liste de personnes, puis je vais essayer de retrouver le numéro en question. Ça sera pas long, tout le monde. Un peu de suspense. Roulement de tambour. J'y suis presque. Voilà. OK. Alors, la personne qui se remporte donc l'archet, son nom, c'est Seb Pépin. Donc, félicitations à Seb Pépin qui donc se remporte l'archet. Je vais écrire ici gagnant pour être sûr. Voilà. Donc, ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, je vais contacter Seb, justement. Et puis, je vais lui dire comme quoi que justement, il a gagné l'archet. Merci beaucoup, Richard, de nous permettre de faire ce concours-là aussi. Puis, c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que, ben oui, et là, je vois plein de félicitations, roulement de tambour, félicitations. Donc, bravo à Seb qui se remporte donc l'archet. Puis, merci à toi, Richard. Très, très apprécié. Bravo à Seb, merci beaucoup Jean-François, puis bravo pour ton travail que tu fais, puis qui permet à plein de gens de débuter le violon et tout ça. C'est un travail formidable, puis bravo d'organiser aussi ce tirage-là, puis de permettre aux gens de pouvoir jouer sur un archet vraiment de super belle qualité. Ben écoute, je te dirais que je peux même dire pareillement parce que de votre côté, on le sent que l'archeterie Morancy, vous voulez vraiment aider les gens. Puis tu sais, il y a une belle qualité qu'on a, c'est quand le rapport est facile, le contact est facile avec les gens, puis qu'on a l'impression que la compétence est là, mais aussi le rapport de proximité est là avec nos professionnels. Ça vaut de l'or. Donc, merci beaucoup à toi aussi de ce côté-là. Hey, écoute, merci beaucoup, Richard, d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui dans ta fin de semaine pour venir à notre webinaire. C'est très apprécié. Fait qu'on invite les gens à aller sur archet.ca, prendre rendez-vous, puis je te souhaite d'avoir un horaire full dans les prochaines semaines. C'est déjà le cas, puis Ah, OK. il y a toujours de la place, on s'organise, puis Wow. c'est toujours un plaisir. Merci Jean-François. Ben, ça fait très plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Au plaisir de se revoir, Richard. OK, OK. salut à tout le monde. Ciao. Bye. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous avez vu, hein, Richard, le genre de personnalité, le genre de générosité qu'il a. C'est la même chose pour Sandrine qui est là, je sais, qui nous écoute en ce moment. Deux bonnes personnes qui sont prêtes à vous accueillir, vous conseiller. Donc, allez voir ça sur archet.ca, l'archeterie Morancy, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, Richard Morancy et Sandrine Lhermenier. Et les deux vont pouvoir vraiment vous conseiller là, très bien. Même Sandrine est venue l'autre jour faire un webinaire avec nous. Donc, voilà pour ça. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Félicitations à Seb. La semaine prochaine, bien sûr, on a un autre webinaire avec Mildor Violon. Je tiens à vous rappeler parce que honnêtement, ça va être vraiment, vraiment cool. On a le 18 juin à 8h30. Allez sur mhpio.ca et inscrivez-vous parce que vous allez avoir une journée musicale comme vous aimez en plein air.
Vous allez pouvoir apprendre sur le violon électrique, sur la musique québécoise, la musique celtique, de l'initiation au violon, au violoncelle, de la musique pop baroque, des ateliers d'orchestre. Vous avez une grosse journée vraiment intéressante. Donc, voilà pour ça. Je vous invite à noter cette date-là dans votre agenda. Tout de suite, allez vous inscrire. Je veux qu'on puisse avoir, tu sais, l'événement musical de l'été. Je veux que ça se fasse là, justement, le 18 juin. Donc, vous êtes invités. J'ai hâte de vous rencontrer, tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Secrets de violoniste. Et donc, voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, bonne musique. Amusez-vous bien avec votre violon. Ciao, tout le monde. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.